salut du Benfica, Tian, ça va ou quoi? T'as presque fait, mais c'est salut du Benfica, Tian, ça va ou quoi? Aujourd'hui, on se retrouve avec Mehdi. Mehdi, ça va? Tranquille, et toi? Mehdi, vous rappelez de Mehdi quoi? Urban Ball FC Junior. Je suis venu dans sa ville, en Belgique. Mehdi, on est là aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que tu deviens, parce qu'on n'a pas eu de tes nouvelles depuis longtemps. Déjà, je voudrais revenir sur l'Urban Ball FC Junior dont tu as fait partie. Qu'est-ce que tu en avais pensé de ce projet et quels sont les souvenirs que tu en tiens? Franchement, c'était vraiment top l'Urban Ball FC Junior, surtout de jouer avec d'autres jeunes. Comme moi, je viens de la Belgique, c'était toujours cool de jouer avec des Français. C'était vraiment impeccable, j'ai trop aimé. Donc, j'aimerais aussi y retourner bientôt. Eh bah écoute-moi, j'ai une news pour toi et j'ai une news pour la YouTubeance. Le 24 novembre prochain, je te donne rendez-vous parce que tu vas devoir affronter tous ceux de la YouTubeance qui veulent venir te rejoindre dans le Urban Ball FC Junior. Eh oui, il y a une détection qui sera organisée le 24 novembre à partir de 10h. Ça sera au Stadium de Thiers. Toutes les infos sont dans la description. Si t'es panaballeur, si t'es urban baller, si t'es joueur de foot à 5 ou si t'es joueur de basket, tu peux venir tenter ta chance. Et le but du jeu, c'est d'être recruté en tant qu'ambassadeur Urban Ball pour faire tous les shootings, toutes les promotions, tout ce qu'il y aura à faire pendant Urban Ball. Eh ouais. T'es prêt ou pas? Parce que tu vas avoir des concurrents. Hein, on verra dans l'arène de Panac ce qui va se passer. Oh là 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 là, j'aime ça! C'est quoi, tu fais le malin? Moi j'étais là avec la Snapance, tu vois. Je leur ai envoyé un message, je leur ai dit envoyez-moi des défis pour Mehdi. On va checker, là on va monter un petit. Oh là là, 1-1-1, allez, tiens, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Faire un max de tours du monde d'affilée. Combien tu penses de tours du monde tu peux faire? 4. 4 tours du monde. Alors tu vas devoir battre 4. Aujourd'hui c'est 5. 5 tours du monde, ok Mehdi? Ok. Tu prends une Urban Ball et je te laisse faire. Trois, à mon avis, il faut un petit pouce bleu. C'est bon, tu l'as mis, vas-y, on va voir le prochain. Ah non, presque 4. Il y a l'échauffement. T'inquiète. 3. Ah là là, il manquait la petite touche. Donc il faut 5, c'est ça? Vas-y. Changement de balle. Et ça a son importance, pourquoi? Parce que la blanche, elle a une nouvelle matière. Donc on va voir si ça peut jouer sur tes tours du monde. La pression, je dis bon, c'est bon, Mehdi, on va arrêter. 6 là. Franchement, bien joué. Bon, vous avez vu hein, peut-être la balle, le changement de balle à jouer. Mais en tout cas, Mehdi a fait ses tours du monde. Là, moi, je vais essayer de faire 4 tours du monde du pied droit. Déjà 2, si j'en fais 2, c'est bien. Et du pied gauche? Je crois que j'ai mon record. Allez, 3 tours du monde, je la prends. Je prends ça. Ok, Mehdi, fais-moi une phrase en belge, s'il te plaît. À fou, je vais prendre une enroule au snack et je vais prendre une mitraillette. Ok, est-ce que t'as compris? À fou, je vais prendre une enroule au snack et je prends une mitraillette. S'il y en a un qui arrive à me décoder cette phrase dans les commentaires, on va lui donner un petit truc, un petit Urban Ball, tranquille. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des petites surprises. On va revenir sur une deuxième actualité. Une fois que t'as été dans le Urban Ball FC Junior, qu'est-ce qui s'est passé? Dubaï. Alors pour vous expliquer, en fait, Urban Ball a envoyé Mehdi en show spécial à Dubaï, plus précisément Sharjah. Et oui. Il a fait un show, c'était ton premier show, un de tes non. premiers grands shows, c'était un grand, oui, c'était mon premier grand show. Premier grand show à la télé en direct. C'est stressant. On va vous montrer certains des meilleures parties de son show à Dubaï, c'est parti. Franchement, ça avait l'air terrible Dubaï. Ouais, c'est ça top. Avait l'air de ouf. On a posté une petite interview de Mehdi qui parle de Dubaï et toute son expérience, d'où il vient, où est-ce qu'il a appris l'Urban Ball, le Panaball, tout ça. C'est sur la chaîne Urban Ball, donc allez checker ça. Challenge numéro 2, et là on a Daoud2207 qui te demande de marquer un but à l'aveugle avec le mauvais pied. Mais moi je vais compliquer la tâche, tu vas mettre une crossbar à l'aveugle avec le mauvais pied. Wow. On va se mettre au milieu de terrain et on va tenter ça. C'est parti. Challenge numéro 2. Un touché? Ah, dommage. Encore un tout petit point. Ça va? Je t'ai obligé, Mehdi. Écoute, tu m'as mis un petit point la dernière fois, je vais aller me venger. Et... Bravo, Mehdi. À l'aveugle, mauvais pied, crossbar, défi réussi. Eh voilà, Mehdi, il connaît les transitions coup de la casquette. C'est un mec qui connaît depuis le début. Et franchement, ce gars-là, il est parfait sur toute la ligne. Mehdi, quelque part dans le terrain, en fait, même juste derrière toi, il y a une valise. Ah ouais.
il y a la nouvelle surprise Urban Ball qui va sortir fin novembre. Une nouvelle casquette? Je sais pas. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller à l'intérieur. Regarde et tu me dis ce que t'en penses. Voilà. En exclusivité, Mehdi va découvrir l'une des prochaines surprises Urban Ball. Et oui. Je savais. Fin novembre, il faut aller sur le site Urban Ball parce que ça va aller vite. Il y aura des produits en série limitée. Ça va aller très vite, la YouTube. Pour Noël, Papa Noël, bam, bam, bam. Mehdi, viens voir. Bon, je voulais tester en fait pour voir s'il allait balancer ce que c'était. Mehdi, ça va être un des prochains ambassadeurs Urban Ball. Et même le premier ambassadeur Pana Ball. Et du coup, ce qu'on va faire, Mehdi, il aura un petit code promo. Et ce petit code promo, à chaque fois que vous allez l'utiliser, ça sera un petit peu 10% en moins. Ça ira un peu chez Mehdi. Tout ça, ça se faudra suivre sur l'Instagram de Mehdi. Maintenant, Mehdi, pour finir, il y a un troisième challenge. Eh ouais, la snappance, il te lâche pas. Alors voilà, dernier challenge, il va être marrant. Ce qu'il t'a demandé, c'est de tourner 4 fois autour du ballon et essayer de marquer un goal. Et moi, je serai au but. Tu marques pas un seul pénalty, t'es prêt? Je suis prêt. Allez, vas-y. C'est parti. C'est prêt là, non? 4 tours, c'est peu. Hein. Allez, fais 10 tours. Vas-y. Aïe. Waouh, tout bouge. Tu l'as pris? Bah oui, je l'ai attrapé. Oh, t'es fou toi. Tu ne marqueras pas, Mehdi. Il te reste un essai. Wow. Ça va, Mehdi? Bah alors, Mehdi, on tombe. Vas-y, tire. Quoi? Bah toi, tire. Je fais la même chose. Mais bien sûr. Tu vas au but? Impossible, tu vas marquer. Un essai, les gars. Et je mets le but direct. Ok, c'est parti. Non, tiens. Attends. C'est pas si facile avec moi. Céane, il est obligé de marquer en AK. Et oui, j'ai bien dit en AK. Oh là. C'est un salaud. Ok, allez, c'est parti. Ils sont petits. Ça. Ne jamais défier tonton, c'est Anne. Ok, Mehdi, dernière actualité. Faut que tu nous parles des compétitions. Parce que t'as beaucoup de compétitions dans l'année. C'est pas trop ce qui s'est passé. Raconte à la YouTubeuse ce qui s'est passé pour toi dans les compétitions. Cette année, j'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai fait le championnat du monde. Parce que j'ai gagné l'année passée. Cette année, c'est passé un peu autrement. Malheureusement, j'ai perdu. Vraiment bien joué à Chiou. Et l'année prochaine, je reviens plus fort pour gagner. Championnat de Belgique. Et oui, la troisième fois champion de Belgique en 2015, 2016 et maintenant 2018. Quand tu gagnes les championnats de Belgique, c'est pratiquement comme si tu gagnais les championnats du monde. Parce que ici, le niveau, il est tellement élevé que c'est impossible de. Chaque match, il est difficile. Et aussi championnat d'Europe en Pologne. J'ai gagné avec une belle victoire. J'ai mis l'ambiance comme un vrai urban bowler. L'attitude très importante aussi dans les matchs de Pana. J'ai montré qui je suis, j'ai fait mon possible. Donc retenez bien ça. Et j'espère que tu pourras influencer tous les Pana bowlers qui regardent. Oui. Parce que maintenant t'es un ambassadeur. C'est très toi important. Qui va. Attitude, les gars. Exactement. Et c'est le message que toi tu dois faire passer sur toutes les compétitions. Oublie pas, il faut gagner. C'est important. Mais on gagne avec le style. Donc voilà, YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Un gros big up à mon gars Mehdi. Le 24 novembre prochain, la détection Urban Ball pour faire exactement comme Mehdi, pouvoir porter les couleurs d'Urban Ball, voyager dans le monde entier, avoir des opportunités et apprendre des meilleurs. C'est le but du jeu de cette détection, que tu fasses du foot, du basket, de l'Urban Ball, du Pana Ball. Viens, inscris-toi, il y a un mail qui est juste là. N'oubliez pas de mettre un commentaire en nous disant quel est selon vous le nouveau produit Urban Ball. Mettez ça dans les commentaires, c'est un secret. Mettez un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé la vidéo. Cliquez sur le code chaîne qui apparaît sur la tête de Mehdi. C'est bon, t'as cliqué, on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. C'est pas la fin de vidéo.